Lift every voice and sing till earth and heaven ring, ring with the harmonies of liberty. Mon nom est Samuel Robert Dansoro. Je suis né au Sénégal, à Saint-Louis, sur les rives du fleuve Sénégal. Et je suis maintenant au Canada, et plus exactement à Sherbrooke, où je suis pasteur de l'Église unie Plymouth Trinity. Plymouth Trinity United Church, c'est son nom en anglais, a pendant très longtemps et pour encore une grande partie été exclusivement une communauté faite de personnes d'origine européenne. C'est une communauté vieillissante, comme beaucoup de communautés de l'Église unie du Canada. Mais il y a quelques années, ils se sont rendus compte que s'ils voulaient continuer à vivre, à exister, il leur fallait s'ouvrir au monde francophone. Alors cela fait une aventure assez intéressante. La plupart des gens qui viennent et qui renouvellent la communauté sont d'origine africaine, sont francophones et sont beaucoup plus jeunes. Certains d'entre eux ont beaucoup d'enfants, ce qui fait qu'il y a un avenir peut-être pour la communauté. L'arrivée d'étudiants d'origine africaine dans la communauté depuis quelques années a été un facteur d'enrichissement. Dans un premier temps, la communauté anglophone était très heureuse de s'ouvrir à de nouvelles personnes. Et cela s'est passé comme il le fallait d'un côté comme de l'autre. Les Africains se sont sentis accueillis et la grande communauté qui était là les a accueillis avec de grands sourires. Maintenant, la question qui demeure est comment dépasser cette phase où il y a des invités et des hôtes pour simplement être une grande famille où chacun a droit à la parole et chacun peut apporter sa participation. C'est un problème qui surgit parce que nous avons évolué ensemble et que nous voulons approfondir nos liens. Il y a surtout aussi le fait que la présence de francophones a révélé le fait que les langues ne sont pas simplement des outils de communication. Les langues viennent charger d'histoire et charger quelquefois des conflits de l'histoire. La présence de plusieurs Africains a montré aussi la nécessité de discuter de problèmes de racisme systémique et montre aussi que les choses ne sont pas aussi évidentes que cela et qu'on peut y arriver ensemble, mais que cela prendra du temps et cela coûtera. Mais c'est un voyage, c'est une démarche que nous voulons accomplir dans la foi. Nous allons célébrer ce que j'appelle, moi, le mois des personnes de descendance africaine. Vous voyez que j'essaie d'éviter d'utiliser un adjectif pour qualifier les personnes humaines. Ce sera un défi, mais aussi une belle possibilité pour une communauté comme Plymouth Trinity pour découvrir certains de ses membres, découvrir leur richesse, découvrir leur culture, pas seulement comme quelque chose de l'extérieur, mais comme quelque chose qui va venir nous enrichir et nous transformer tous ensemble. Ça fait un peu peur, parce que la transformation fait peur, mais j'espère que l'attrait de l'enrichissement mutuel l'emportera sur la peur des différences.